Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bonsoir, parce que cette émission vous sera présentée de temps en temps pendant la journée et de temps en temps aussi pendant la soirée. J'ai le grand plaisir, franchement, le grand plaisir de recevoir un confrère de Brazzaville, la Verte. On a, disons, commencé à peu près en même temps. Lui faisant la pluie et le beau temps à Brazzaville, moi essayant de m'imposer sur la place de Kinshasa. Vous le savez, j'ai commencé mon journalisme à Lubumbashi. Il s'appelle Jean-Claude Kakou. Jean-Claude Kakou, bonsoir et bonjour. Les deux, merci. Bonsoir et bonjour. Mais Jean-Claude, dans les années 80, je le disais tout à l'heure, vous faisiez la pluie et le beau temps à la télévision congolaise. Un jeune qui est venu et qui s'est imposé tout de suite. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait avant de devenir journaliste? Quel a été votre parcours? Je voudrais d'abord te remercier infiniment de me donner l'occasion de revisiter Kinshasa. C'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2010. Je suis venu recevoir le prix, le trophée Mwanamboka de Paulin Mukendi. Et oui, 2010. 2010, moi ouais. Je l'avais reçu en 2009, tiens. Voilà, tu vois, on a pratiquement les mêmes destins. Donc, et c'est Kofi Olomide. Oui. Qui m'avait remis le trophée ce jour-là. Voilà, je ferme cette parenthèse pour répondre à ta question. Tu as dit comment je suis arrivé. Oui, à ce métier. C'est ça. Bon, j'étais étudiant à l'université de Brazzaville, qu'on appelle aujourd'hui Université Marien Gwabi. J'ai fait une licence à l'université et après, je suis allé à l'école de journalisme de Lille, oui, en France, où je suis resté 3-4 ans. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, j'étais d'abord à la radio, qui s'appelait Voix de la Révolution Congolaise. Vous, c'était Voix du Zaïr. Voilà, si vous allez à la Voix de la Révolution Congolaise, où je suis resté une année pratiquement. Et quand la télévision congolaise, est, quand Télé Congo est passée à la couleur, parce que c'était en noir et blanc avant, quand ils sont passés à la couleur, les autorités ont dit, bon, ce type-là, il brille tellement à la radio qu'il sera mieux à la télévision. Et à ce moment-là, j'ai été muté à Télé-Congo. Est-ce que je peux préciser que la couleur, c'était d'abord nous, à Kinshasa, voilà, que vous êtes venu après, voilà, dans la couleur, voilà. Oui, oui, mais ou justement, voilà, j'ai oublié cette précision. Télé Zaïr était en couleur, oui, quand Télé Congo était en noir et blanc. Alors, vu la couleur, les prestations, vous avez raflé tout le public. Hein, tout le public brazzavillois était sur Télé Zaïr. Et nous, on nous appelait à l'époque Télé Foufou. Oula, vos téléspectateurs. Nos téléspectateurs nous appelaient Télé Foufou en comparaison avec Télé Zaïr, qui était la couleur, c'était beau, c'était joli. Nous, on était Télé Foufou. Bon, on mais, le connaît pas mal. Puisque nous parlons de l'histoire, la télévision a commencé à Brazzaville. Oui, en 1962. Oui. Et vous, quand vous êtes arrivé, vous nous avez tout de suite damé le pion. Est-ce que c'est parce qu'on vous a mis les moyens qu'il faut, etc. Enfin, je ne sais pas. Vous nous avez tous rapidement surpassés. Oui. Voilà. Et donc, nous vous raflions tous les téléspectateurs et ça ne vous faisait pas plaisir, bien entendu. Ah, naturellement, pour nous, vous n'étiez pas des concurrents, mais des ennemis. Tiens, avant d'aller loin, je voudrais demander... Non, mais vous avez tellement bien brillé de mille feux, que je voudrais vous poser la question de savoir si vous aviez des modèles. Quels étaient vos modèles? Oui, je te dis tout de suite, sans embâche, comme j'ai été formé en France, bon, donc la télévision française, c'était mon outil de tous les jours, il y a deux journalistes en France
que j'ai remarqués et qui m'ont marqué. C'était Roger Gickel à la télévision TF1, oui, et Yves Mourisi. Yves Mourisi était à 13h, Roger Gickel était à 20h. Alors ces deux-là, quand ils apparaissaient à l'écran, c'était... ils étaient captivants. Mais oui, mais est-ce que... moi j'ai l'impression de rêver. Parce que moi, Yves Mourisi, je le connais quand il était à la radio, à France Inter, depuis que j'étais journaliste à Lubumbashi. Ah. Et quand je suis arrivé en France dans les années 87, c'était Roger Gickel qui trônait. La France a peur. La France a peur. Ça, c'était un grand présentateur. C'était... On a eu les mêmes modèles. Ah, finalement, oui. Ben oui. Voilà, Yves Mourisi et Roger Gickel. Et Roger Gickel, et je me souviens, Yves Mourisi, on le présentait. Interdernière, Yves Mourisi. Il disait, bonjour. Le cri qu'il faisait à la télé. À la télé. Il avait déjà commencé à... il avait déjà commencé à la radio. À... ah, bon, oui, d'accord. Et quel accueil avez-vous reçu de la part des amis de la télé? Parce que vous venez de la radio. Des amis de la télé, à Télé Congo? Oui. Non, j'ai été pas mal reçu. Mm-hmm. J'étais même bien reçu. C'est vrai que je venais de la radio. Mais ils m'ont bien reçu à Télé Congo. Mm-hmm. Ah ouais, ça, je ne peux pas me le cacher. Vous savez, nous sommes en train là de nous tutoyer. Oui. Est-ce que c'est ce que nous avons appris à l'école? Non, nous à l'école, on nous a appris à se vouvoyer devant les téléspectateurs. Oui. Par respect pour eux. Par respect pour eux. Mais franchement, je crois qu'à une occasion comme celle-ci, on peut se permettre de se tutoyer. Oui, oui. Je crois, oui. Et à partir de quand vos téléspectateurs ont-ils commencé à reconnaître vos valeurs? Parce que il n'y avait pas que vous, il y avait le rédacteur en chef qui s'appelle Patrick Benjamin. Alors, père son âme. Parce qu'il est plus. Ah, il est décédé en 2009. Dans quelles circonstances? Il était malade. Il était malade, voilà. Oh là là. Bon, est-ce qu'on peut dire, comme deux vieux nostalgiques, que c'était mieux à notre époque, parce que vous commencez en 81, moi je rentre de Paris en 80, je commence à travailler un peu à la radio avec Émile Pelé et tout ça, après on me met à 23h au journal télévisé, et puis voilà, c'est parti. Est-ce que nous pouvons dire que à notre époque, c'était mieux qu'aujourd'hui? À notre époque, c'était bien. Bon, oui, sans modestie, c'était mieux entre nous. Pourquoi? C'était mieux parce que il y avait entre nous une saine émulation. C'est vrai qu'on se respectait. Mm-hmm. Pour ne parler que de la maison Télé Congo. Oui. Il y avait une saine émulation entre nous. Chacun essayait de faire mieux que l'autre, sans méchanceté, bien sûr. Chacun essayait de faire mieux que l'autre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Je regarde ça de loin, mais j'ai l'impression que ce n'est plus la même époque. Mais sur les deux rives, il y avait aussi une sainte concurrence. On voulait voir ce que faisait Kakou, ce que faisait Patrick Benjamin, et vous aussi, j'espère. C'était la même chose. Parce que je peux te dire qu'Ibambi, qu'à cette époque, vous n'étiez pas seulement une télévision concurrente, mais vous étiez une télévision ennemie. Vous nous agaciez à cause des pressions de notre public, oui, qui nous disait mais faites comme vos amis de Télé Zaïre. Hein, vous avez là-bas un Kibambi chitois. Et là, vous avez là-bas Lumbana Kapasa. Oui. Voilà des vrais journalistes. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Alors nous, ça nous mettait dans une colère. Mais alors,
C'est pas pourquoi j'ai dit que pour nous, vous étiez des ennemis. Il y avait d'autres noms, des éditorialistes. Mavunguma, Landa Mamongo. Alors, qu'est-ce qu'il devient, lui? Ah ben, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Uh-huh. Paix à son âme. Ouais. Alors oui, lui, à l'époque des grands événements, oh là là. Quand il prenait l'éditorial de samedi, nous en face, on se disait, mais qu'est-ce qu'il va nous pondre aujourd'hui, ce monsieur-là? On avait peur. On avait peur que nos autorités nous disent, mais voilà, qu'est-ce que vous attendez pour faire comme lui? On avait peur. Ah. Non, mais écoutez, nous aussi. Ah oui, oui, je vous dis franchement que vous, personnellement, quand je passais, quand il m'arrivait de passer à 20h et que toi, tu passais aussi à 20h. À 20h. Feu, mon épouse regardait ton journal pour me faire rapport. Ah. Oui, pour me dire, oh, il a été légèrement mieux que toi, tu as hésité à 3 reprises, lui. Ah, ce qui ne me faisait pas plaisir. Ah non, vous étiez tout aussi redoutable. Et donc, nous étions vos ennemis. Un jour, dans un reportage, je ne sais pas où nous étions, vous me dites, mais quand vous dites ici, Kinshasa, la voix du Zaïre, mais vous dites ça à qui? Je dis, mais on dit ça au monde. Vous dites, non, mais nous nous sentons. Nous nous sentons agressés. Quand on entend ici Télé Zaïre ou la voix du Zaïre, je dis, oh putain, ça c'est contre nous, ça. Vous savez, j'aurais voulu que cette émission, j'aurais souhaité qu'elle était animée par un Lusakweno ou mon ami Jean-Marie Kassamba, qui aime bien cet exercice, parce qu'à ce moment-là, on allait parler. Toi, tu ne me poses pas de questions, il n'y a que moi qui pose des questions. Ouais. Mais c'est vrai que là, on allait parler. C'est lui qui allait nous poser des questions. Ah oui, à nous deux. Alors, ouais. On allait parler. À égal. Non, mais je vous assure que sur les deux rives, en tout cas chez nous ici, il n'était pas question que les Brazzavillois parlent mieux que nous, même si eux avaient été colonisés par les Français. Mais écoute, sans te couper la parole, nous, on nous disait la même chose. Comment les Zaïrois, ils sont ex-colonie belge. Vous êtes ex-colonie française. Pourquoi ils doivent parler mieux que vous? Et ça, oui, oui. Et ça, on entend même jusqu'aujourd'hui. Hein. Ah bon? Oui, beaucoup là-bas ont l'impression que les journalistes de la RDC sont mieux que ceux du Congo. Vous savez, j'ai une petite émission ici qui s'appelle La Petite Lucas. Oui. C'est-à-dire que j'essaie de corriger le petit français de la rue. Vous savez d'où m'est venue l'idée? L'idée m'est venue d'un Brazzavillois qui parlait sur RFI et qui disait, ce n'était pas faux. On lui disait, mais quelle est la différence entre vous et les amis d'en face? Et il disait, non, eux, ils disent, au lieu de reçu, ils disent récit. Au lieu de battu, ils disent bâti. Alors, ça m'a énervé, et gentiment, parce que ce n'était pas complètement faux. C'était pas faux. Alors, j'ai décidé de créer une émission pour corriger les petites erreurs, les petits belgicismes qui se trouvent. Émission qui existe jusqu'aujourd'hui et qui est très, très bien suivie. La Petite Lucarne. La Petite Lucarne. Mm-hmm. Non, mais je t'enverrai de temps en temps. D'accord. Et je vous donne l'exemple. Je vous donne un exemple, un belgicisme bien de chez nous. Vous savez le parafeur? Le parafeur, vous savez ce que ça veut dire? Bien sûr. Oui, mais nous on ne dit pas parafeur. Ah bon? Nous, on dit signataire. Exactement comme la personne qui signe. Qui signe. Ah. Donc, au lieu de dire parafeur, nous disons signataire. Signataire. Et ça, j'essaye de le corriger. Ça se dit jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Alors, à l'occasion de... Il y a un nouveau gouvernement qui est sorti. J'ai fait une émission pour saluer la venue de ces ministres. Et j'ai pris soin
de dire aux collaborateurs des ministres, désormais ne dites plus par signataire, c'est pas vrai, regardez dans le dictionnaire, ces Turcs-là s'appellent paraffeurs. Voilà. Et l'idée m'est venue à cause de cette petite provocation qui n'était pas fausse. C'est pas tout le monde qui dit « j'ai réussi », mais la plupart de personnes disent « j'ai réussi ». Comme la plupart des pasteurs ici, les évangélistes, ils disent, oui. On le dit « Jésus », ils disent « Jésus ». Jésus. Tu vois, mais on essaie de corriger ça pour être en phase avec cette belle langue. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les téléspectateurs ne sont pas exigeants comme l'étaient les nôtres à l'époque? Est-ce que c'est le niveau intellectuel qui a baissé ou... Parce qu'à l'époque, quand vous commettez une faute, le lendemain, on vous pointait du doigt. Ah oui. Comment tu as pu dire un truc comme ça? Mais aujourd'hui, je ne sais pas si... Non, je dois dire que... on ne peut pas dire que le niveau a baissé. Au contraire, nous nous sommes améliorés au contact de nos confrères de l'étranger. Nous, journalistes, nous regardons France 24, nous regardons TV5, nous regardons toutes ces chaînes européennes et nous essayons d'imiter, nous essayons de reproduire ce qu'eux, ils font. Et ça, notre public apprécie. Parce que notre public, ce qu'il voit sur les chaînes étrangères, il le voit aussi sur nous. Il voudrait que nous le fassions et nous arrivons à le faire. Je crois que ils ne sont plus exigeants comme avant. Maintenant, ils ont compris. Voilà. Mais, disons, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je ne le fais quasiment plus. Je ne regarde plus Télé Congo. J'avoue que je ne fais plus le journal. Je fais plus voilà, c'est ça. Ah, ouais. Mais je crois que les publics aussi s'intéressent à autre chose. Voilà. Aux télévisions étrangères, parce que ces télévisions ont beaucoup plus de moyens que nous. Ça, il faut le au même moyen, on ferait sans doute mieux que... Sans doute mieux. Mais moi, je dois dire que moi, je continue à regarder RTNC, ex-Télé Zaïre. Je regarde quand il y a un grand événement ici. Ah, oui, oui. Quand Tshisekedi a prononcé un discours, quand il a inauguré, quand il a fait un voyage à l'étranger. Moi, je regarde. Ben non, ça, évidemment. Comment les confrères traitent l'activité présidentielle. Ouais. Moi, je regarde. Et j'ai regardé, de temps en temps, je regarde la télévision du général Dabira. DRTV. Oui, DRTV. Mais j'ai trouvé que c'était pas mauvais. C'était au contraire très bien. Bon. Bien. Ouais. Enfin, pas très bon, c'est vrai. Bien. Ah ouais. On sent que ce sont des jeunes qui veulent arriver, qui viennent d'être formés et qui veulent se dépasser. Et c'est ça que j'aime. Oui, eux, ils ont une ambition, c'est de damer le pion aux anciens que nous sommes. Voilà. C'est ça qui les pousse à se surpasser. Oui. Voilà. Mais, et ils y sont parvenus, je crois. Mais je ne sais pas si c'est la même chose ici, parce que ici, les vieux que nous sommes sont traités de ménopausés. Oh là là, c'est méchant. C'est méchant. En fait, pas parce que c'est pas la qualité, mais parce que peut-être nous aussi, on voudrait le mettre ou les sous-estimer, ce qui n'est pas mon cas. Mmh. En tout cas, nous sommes appelés ménopausés. C'est pas gentil. Ah bon? Non, chez nous, il n'y a pas un terme comme ça. Non. Qu'est-ce que Jean-Claude aurait bien voulu savoir? Quelle curiosité il voulait assouvir? Il y avait ici chez vous un monsieur qu'on appelait Ngongo Kamanda. Qu'est-ce qu'il devient? Oh, il est décédé depuis longtemps, depuis la Deuxième République. Ah, c'est du temps de Mobutu. Oui. C'était notre chef à Lubumbashi. Il faut dire que beaucoup de journalistes qui avaient commencé à Lubumbashi sont montés à Kinshasa, soit pour des raisons personnelles ou parce que rappelés par les autorités ici.
vous connaissez Mateta Kanda. Mateta Kanda, oui. Mais Mateta Kanda nous a attiré tous ici. Qu'est-ce qui devient lui? Oh, il est mort, il est décédé depuis longtemps, personne n'aime aussi. Quand il disait le boulevard du 30 juin, mais dans ma ville de Lubumbashi, rien que ça, hein. Non mais quand tu dis que, quand on disait ici, nous vous agressions, c'est vrai, mais lui a fait partir beaucoup, beaucoup de Congolais de l'intérieur vers Kinshasa. Rien que le boulevard du 30 juin. Tout le monde voulait le voir. Mais c'est quoi cette affaire? Quand il fait la publicité sur une soirée, on dit non, voir Kinshasa et mourir. Alors, chaque fois qu'arrivaient les concours pour aller en France, c'est tout le monde qui s'est rué dessus pour avoir la chance de voir Kinshasa et mourir. Voilà un petit peu comment... Maintenant, pour revenir à toi, Kibambi, chez toi. Oui. Tu étais un journaliste proche de Mobutu. Oui. Non, je n'aime pas cette expression proche de Mobutu parce que tu ne travaillais pas par affinité idéologique avec Mobutu. Mais non. Tu servais la République auprès du chef de l'État. Oui. Disons les choses comme ça. Alors, quand le 17 mai, Mobutu tombe, qu'est-ce que tu fais? Parce que je dois savoir que tu n'es pas allé en exil. Non. Tu es resté là, tu n'as pas eu peur pour ta vie? Non. D'ailleurs, à l'époque, j'étais collaborateur, j'étais correspondant des RFI. Mm-hmm. Je suis resté parce que j'estimais que je faisais bien mon travail. Je suis resté, tout ce que je craignais, c'est qu'on m'enlève l'accréditation à RFI. J'étais correspondant d'RFI, j'étais correspondant de la Voix de l'Allemagne, à ITV RFO. Je suis resté, mais je n'avais pas peur pour ma vie parce que quand je recevais les collaborateurs de Mobutu, il faut dire que je les mettais mal à l'aise. Et le public aimait ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu. Quand les collaborateurs de feu Laurent Désiré Kabila sont arrivés. Alors, les amis font des reportages et me disent, mais les gens de l'AFDL demandent après toi, les gens de l'AFDL demandent après toi. Et donc, je suis arrivé, j'étais accepté. Quand j'allais faire mes reportages, même auprès du président, pour RFI. Alors, un jour arrive, disons une semaine après, j'étais directeur de la formation à la télé. Tu comprends, quand un régime change, c'est tout à fait normal. On te met aux archives, des choses absolument, comme ça. Absolument, mais moi, ça c'est la cible. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Un jour, je voudrais entrer. J'arrive à la grille. J'arrive à la grille, à la barrière. On me dit, vous n'avez pas ce badge? Vous n'entrez pas, aller chercher ce badge à l'inter. Ben, je vais à l'inter, on dit non, pour vous c'est fini. C'est fini. Et ce qui était dramatique. J'arrive chez moi le soir, mes enfants, feu mon épouse, tout le monde est au courant. Et une de mes... Ah, et au courant de ce qu'on vous a refoulé à la police? Oui. Et une de mes filles me dit, papa, ne t'en fais pas, Dieu pourvoir. Là, les larmes ont coulé, c'est... monde qui tombe sur ma tête. Et le lendemain, Ngongo Luowo, oui, qui patron de TKM. Ah oui, qu'est-ce qu'il devient en parenthèse? Ah, il est décédé. Décédé lui aussi. Oui, on a le premier anniversaire de sa mort, ça fait 5 jours qu'on a. Voilà. Et donc, oui. Je n'ai pas chômé. On me fait partir aujourd'hui, le lendemain. C'est Ngongo Luowo qui te récupère. Qui est en Belgique, qui appelle... Ah, parce qu'il est parti en exil. Il est parti, lui, en exil. Il appelle quelqu'un pour me dire, il faut que Kibambi aille organiser ma rédaction. Parce que j'ai travaillé avec Ngongo Luowo au journal de 13h, à la Voix du Zaïr, à Vukwebe Kimpele. Voilà, oui, je me rappelle, oui, je me rappelle. Voilà. Et donc, je n'ai pas chômé du tout. Je craignais qu'on me...
qu'on m'enlève l'accréditation. Ah ouais, c'était surtout ça, oui. Surtout ça, parce que, bon, on ne l'a pas enlevé l'accréditation à RFI, à la Voix de l'Allemagne non plus. Voilà, j'ai continué à la rédaction de Ngongo Luoro. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai fait un peu en sorte que les jeunes gens qui avaient cette fougue, je leur ai dit, attention, c'est un nouveau pouvoir, équilibrons les sujets. C'est à toi que je vais raconter, à toi le premier que je vais raconter l'histoire. Un jour, je passe un opposant au président Laurent Désiré Kabila. Les jeunes gens qui sont autour du président m'appellent pour me dire, moi je suis en train de prendre mon pot quelque part, m'appellent pour me dire, ben, vieux, tu es où? En soi élu dans le texte. Je dis, je suis à la Bonne Fraîche. Entre... Ah bon, nous on vient t'arrêter. Carrément. Oui. En fait, j'avais passé un boutiste, mais après, je suis un professionnel quand même. Après, j'ai équilibré l'info avec un des ministres du président Laurent Désiré Kabila. Ils viennent pour m'arrêter. 10 minutes après, on vient de nous donner le contrôle. On ne vient plus t'arrêter. Je dis que je regrette que vous ne soyez pas venu parce que demain, j'allais être la plus grande vedette à RFI sur toutes les chaînes de télé et tout ça. Voilà un peu la réponse à ta question. Tu vois, voilà. Tu me poses des questions, je t'en pose aussi. Vas-y. Ça s'équilibre. Hein. Ça s'équilibre, voilà. C'est normal. Tu avais une autre question peut-être. Voilà. Vous savez, à l'époque... De la concurrence Télé Congo Télé Zaïre, nous on observait ce que vous faisiez. Oui, quand il y avait un événement, on s'est dit bon, regardons ce que Télé Zaïre va faire. On regarde l'ouverture, le papier, la clôture, comment ça va se passer. On s'est dit bon, nous on va leur damer le pion le lendemain. Ah oui, c'est comme ça que ça se passait. Oui, hein. oui, le lendemain, on s'est dit bon, lui il avait ouvert pas ça, nous on fait ceci. Ils avaient fait ça, nous on fait ça. Allez, bam. Alors, je crois que c'est un conseil à donner aux jeunes. C'était comme ça. Parce que si vous voulez évoluer, il faut connaître l'autre et essayer de faire mieux que lui. Oui, absolument. Mais c'est ce qu'on faisait. Ça, quel sens d'émulation. Ah, oui. Qu'est-ce que Jean-Claude Capou a envie de dire aux jeunes des deux rives? Bon, les jeunes des deux rives, c'est vrai que vous arrivez à l'époque de ce que j'appelais la multi-télévision. Oui. Vous n'êtes plus à l'époque où il y avait Télé Congo, Télé Zaïre. Mm-hmm. Où tu regardais Télé Congo, où tu regardais Télé Zaïre. Si tu ne regardes pas les deux, bon, tu ne regardes pas de télévision. Mm-hmm. Voilà, il n'y avait que nous deux. À cette époque, les journalistes des deux chaînes se faisaient facilement un nom dans l'opinion parce qu'il n'y avait que nous à regarder. Bon, mais maintenant, avec la multi-télévision, il y a plusieurs chaînes pour locales d'abord. Ah oui, plusieurs chaînes locales, plusieurs chaînes étrangères. Ah, pour se faire un nom aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut se surpasser parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Très bien. Voilà. Et c'est vrai, à l'époque, vous passez à la télévision à 20h. Le lendemain, vous êtes une vedette si vous êtes bon. Mais aujourd'hui, pour passer pour une vedette, je crois qu'il faut plus ou moins 5 ans. C'est ça. Il faut du temps. Ouais. Il faut du temps. À l'époque, ça se faisait du jour au lendemain. Absolument. Ah, qui est passé hier là? Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, non, ce n'est plus pareil. J'ai remarqué mon premier passage à 23h. Mon premier passage à 23h, je vais en ville, c'est tout le monde. Ah, on vous a vu hier. Et puis, bon, je ne sais pas si on devrait le dire. Les filles étaient plus admiratives pour l'intelligence que pour l'argent. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, c'est vrai. Parce que ça fait partie quand même d'un auditoire qu'il ne faut pas négliger. Absolument. Les filles, oui. Les filles, oui. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plus l'argent que l'intelligence. Hélas. Le mot de la fin,
Jean-Claude Carcou. Je suis très, très heureux. Ah bon? Et très, très ému. Mais moi, je dois te remercier, parce que grâce à toi, je suis venu à Kinshasa. J'avoue que je ne connais pas grand monde ici. Oui. Enfin, pourquoi je ne viens pas souvent? Heureusement que tu es là, tu m'as fait traverser. Tu m'as reçu à ta chaîne de télévision, Numérica, que je regarde là-bas de temps en temps. Enfin, moi, je dois te remercier très sincèrement. Et voilà. Je vais te révéler un secret. Ah. L'idée m'est venue comment? Un vieux, un aîné à nous, qui un jour a cherché des nouvelles des anciens que tu as cités, les Mavungu et tout ça, demande à une personnalité de Kinshasa, tiens, Mavungu, il dit non, il est décédé, tel, Kibambi, ah lui. Alors, le vieux Albert dit, le jour où vous vous trouvez en face de Kibambi, passez-le loin. Et on vient un jour de la bosse de Brazzaville, le téléphone sonne. On présente la personne et tout ça. Elle me dit, c'est vous Kibambi? J'ai dit, oui, ben, je reconnais votre voix. Vous savez, on vous suivait à l'époque, vous étiez de mon journaliste et tout ça. Et je suis vraiment heureux d'être entré en contact avec lui. Mm-hmm. Et puis moi, je lui dis, mais... Vous savez, on était bons journalistes. Les Mavungu, dit ouais. Et comme toi, il n'a pas oublié Mavungu, Malanda, Mamongo, et voilà. Tout ça. Ah, qui m'a mis chez toi. J'ai dit, mais. Je dis, nous avions aussi. J'ai cité ton nom. Voilà. Jean-Claude Carcou, et tout ça. Ah bon, mais ils sont ici, et tout ça. Je vais tout mettre en œuvre pour vous mettre ensemble, et tout ça. Et je crois que. Nous devons remercier l'aîné. Absolument. Parce que cet aîné-là connaît beaucoup de choses du Congo. Il adore l'information, il aime les journalistes et il est à l'écoute de l'information. Il connaît l'actualité de chez nous et il la vit. L'actualité du Congo, n'en parlons pas. Même des petites subtilités. Est-ce que tu es du Kassai? Je dis, ah bon, ah quoi, comment? Il dit ton nom, je dis non, est-ce que, bah bon, tu es du, alors, tout ça, des susceptibles, j'étais ébahi par l'ampleur de sa connaissance sur les choses qui se passent. Je crois que c'est cette personne que nous devons remercier. Absolument. Quand vous serez de passage à Brazzaville, dites-lui franchement merci et je suis très très honoré. Je ne manquerai pas. Et je n'ai pas voulu utiliser son nom parce que ce n'est pas la peine, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Enfin, ceux qui comprennent, comprendront de qui il s'agit. Merci Jean-Claude. Voilà. Et au revoir. C'est moi qui te remercie. Au revoir, cher ami.